te bats. Bonjour madame, bienvenue dans une nouvelle vidéo à laquelle on te retrouve sur The Legend of the Breath of the Wild pour le 18e épisode. Là, je viens de faire les ben raides. Le bonhomme il a décidé d'avancer tout seul, bon bref. Dans la dernière épisode, on avait juste, dans le fond, visité le village de Cocorico. Pas Cocorico. Faut pas en tout ça, le village Rito. Je sais même pas c'est quoi, je pense que c'est le village de Rito. Le village Piaf en fait, hey boy. Je me trompe bien. Fait que là, on a une mission à faire pour une des quatre créatures divines. La musique est vraiment bonne. Bon. Fait que là, on va juste... Justement... t'arranger pour aller plus proche de l'objectif. En écoutant la bonne musique, c'est sûr qu'il faut pas aller directement tout à l'oiseau. Faut aller retrouver un des bonhommes Piaf, mais je me souviens plus vraiment de ton nom. Là. Puis lui, il va nous aider pour aller chasser l'oiseau. Oh. Vas-tu le faire? Ouais, j'ai remis en ma. Non, faudrait vraiment que j'ai mis en ma Temna. Bientôt. En tant que là, je devrais être capable d'y aller. Non, ça servirait à quoi d'aller plus haut? Vraiment? À part un Kogu, ça m'intéresse pas tant. Hey, les cornets dehors, t'en. À moins qu'on essaie d'aller ici. Ok, on s'en fout des cornets, là. Attends. Voilà. On met la porte de l'extérieur, là. Ouais. Il y a des sanctuaires partout, mais cette créature-là est quand même assez spéciale. Je veux savoir si t'es dans le dehors. Je suis vraiment à la limite en dehors. Je comprends pas que mon personnage Link a pas froid encore. L'épée doit nous réchauffer, c'est ok. Tu sais qu'on entend moins dans moi. Et là, comment t'as fait froid le vent et. Quand même en haute altitude ici. Si je regarde là-bas, j'ai vu quelque chose. Là, on dirait qu'il y a un cratère de pétain. On peut y aller là. On l'a fait. Ah, là, il fait froid. Oh. Ici, boy. Vas-tu le faire? Il va glisser un peu. Oh non, il a grippé directement. Ouf. J'ai pas de temps dans le dos. Oh, wow. Pomme. Moi, je crois qu'il faut que je donne des pommes là-dedans. Là, je veux pas briser mon épée, on va dire. Ah, oh, pourquoi pas aider des bombes, puis aïe aïe. Des bombes, les pierres peuvent pas aller bien bien loin. Bon, bref. On va aller directement en sanctuaire. On prend une épée, on est proche d'avoir froid ici. On va porter d'autres linges. Oui, ils sont pas améliorés, mais. C'est pas tant. Ben, c'est pas tant grave. On va tester cet été. Si on n'aura pas froid. On va vraiment aller au sanctuaire là-bas. Sanctuaire, c'est le best.
Oh boy. Là, pas froid, mais j'ai pas froid. Il y a une maison là, en fait. Je pense que c'est directement à la place pour le me rendre. Wow. Ok. En ayant une épée de feu, ça m'aide vraiment à garder mon corps plus chaud. Sinon, mon personnage gèlerait bien raide, je suis pratiquement certain. J'ai pas plus de protection que la dernière fois que j'avais été venu, puis juste à cause de l'épée en feu, je suis correct. C'est quand même pratique pour faire fondre des affaires, mais là, l'hiver là-dedans, c'est comme assez difficile, mais difficile. J'ai envie de parler. Mon armure n'a pas amélioré. Bon, c'est quoi ça? L'épreuve de vent, ça. Ok. Le Tat Chatawata. Chatawa. La voie cachée du vent. Ok. Pas la voie cachée du vent. Voilà. Malheureusement, j'ai perdu mon petit matériel, mais. Peut-être le matériel a été quelque part. Non. C'est pas le plus grave non plus. Ah, pauvre. Oh! Voilà. Sauter ici, ça nous use notre endurance, mais on est à l'infini. Quelque chose, mais t'es comme je me souviens vraiment pas de cette épreuve là. Non, parce que là j'ai comme un moment de déjà vu. Si on fait ça, puis d'aller alentour, je me souviens, il y a quelque chose. Et voilà. Et je me souviens que. Je me souviens d'avoir cherché une fois. J'avais pas vraiment réussi du premier coup. J'ai comme, voyons, comment on fait? Ah, yes. Non, un arc qui est pas bon là-dedans, mais pas bon. Pourquoi pas? On va faire le tour, il paraît. Voilà. Voilà, épreuve de sanctuaire complétée. Pas le plus évident, mais voilà. C'est fait. Drum, paradadada. Plus que deux autres, on va pouvoir obtenir un autre cœur. Oh, on pourrait en avoir bien plus de temps que toi. Si on explorait vraiment, vraiment plus les alentours. Ok. Parce qu'il y en a beaucoup, toute la carte là. Vraiment beaucoup. Bon. Un chalet là? Donne des exercices au vol, c'est vraiment la place, fallait que je me rende. Sans m'en rendre compte, je me suis rendu où fallait que je me rende.
Tabac. Qu'est-ce que tu veux? Je suis très occupé. Ne te mets pas dans mes pattes. Ok. On va voir qu'est-ce que j'ai comme... D'accord, j'en ai quand même... Un peu. Hein? Qu'est-ce que tu veux? J'ai à faire, ne viens pas te déranger. Tu veux m'aider? À quoi faire? Valmedo, un instant. Tu te présentes ici, tu es au courant pour Valmedo. Est-ce que la chef ou ma femme qui t'envoie? Dans les cas, tu m'as trouvé. Étranger, je suis bas. Et toi qui es-tu? Je m'appelle Link. Link, ce nom m'est déjà familier. Link. J'imagine que c'est notre chef qui t'envoie pour me ramener. Il y a bien que le chef pour faire aussi confiance au premier venu. On t'a probablement demandé de me ramener au village avant que Dan Bedou ne provoque un autre agilité de brevet. Désolé de te décevoir, mais ma décision a pris. Je n'ai pas suivi l'entraînement de Gary Pierre pour fuir le danger. Je ne comprends pas les chines devant ce montre. Je n'arrivais pas au village sans avoir vengé le sang de mon ami. Non, je ne reviendrai pas au village à une condition. C'est que nous mettons siège au Valmedo et à ton balai lugubre au-dessus de nos têtes. Valmedo doit tomber, je n'aurai pas de repos avant de voir la terre. Quand tu finis la silhouette à raquaiser la sombrée de notre tête, alors seulement je reviendrai au village. Je sais. Alors, comment tu fais? Oh non, t'as parlé de moi au village, c'est temps. Les gens absents à quoi s'en tenir? Quoi qu'en soit, le chef a raison. Pour arrêter le Valmedo, il faudrait l'attaquer de l'intérieur. Tu es vraiment prêt à entrer dans une entreprise aussi périlleuse? Non, mais seulement t'as pas l'air comment. Tu n'es pas un peu lent à la détente? Bon, je t'explique. Les seules personnes capables d'ouvrir l'accès créatures sont les cinq prodiges. C'est que tous ces zéros sont morts il y a 100 ans, gagnons les dates. Et puis non, ça se fera comme ça. Tu n'as pas besoin de la suite pour tenter d'introduire dans Valmedo. Si tu gèles comme un fou, ça sert rien de plus que le vulgaire chair à canon. C'est pourquoi d'abord je dois te mettre à l'épreuve. Il y a un fort courant descendant dans ce ravin. Il suffit de te tenir une pièce de tissu au-dessus de l'air pour flotter dans les airs. Voilà comment tu sors de cet exercice d'entraînement pièce. Tu vas devoir te diriger habilement pour détruire 5 teams à 3 minutes. Ouais. Ça va, prouve-le, sers-toi à ton arc pour détruire 5 teams. Hey, 5 teams. Reviens par ici, merci. Ok, c'est facile. Tu es un archer talentueux, on dirait que le temps s'arrêtait à chaque fois de décocher une flèche. Pardonne-moi, Ling, de tes idées, mais ta maîtrise d'arc est impressionnante. Tu as donc traversé des épreuves pour arriver à un tel niveau. C'est ça, j'imagine. Ling, c'est ça, ça me plaît très bien. Il faut vraiment te demander, allons combattre Valmedo ensemble. Tiens-toi à mes côtés, je vais te faire tes affreux canons une fois pour toutes. Regarde dans tes coffres. Tu trouveras un arc amélioré. Bon. C'est certain que... on va... Si on jette cet arc-là, on va... Mon frère a de la bouffe là. Pas de la bouffe quand même, parce que je m'en rends là. Oh là, faudrait quand même que je fasse
Un peu de cuisson. Ça risque de peut-être être pas facile. Il va y avoir 4 cas. Si je fais tau 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 tau. Ça va donner un piment. Mais je pense que c'est pour la chaleur. On aura peut-être besoin contre le bas. Il tente au foin. Parce que... Il risque de faire froid, mon armure n'a pas amélioré. Je sais pas si c'était un peu trop vite, mon enfant. La musique a de la bonne, tu vois. Oh! Ok, celle-là est random, elle était meilleure. Alright. T'es une carotte. Voilà. Quand je repense à ça, j'ai pas besoin de faire tant de cas, j'ai juste besoin de potions en tant que tel. Ok, bon. La musique m'a l'air bonne, mais. J'entends pas parce que je fais chanter la mélodie de cuisson. Oh! Bon. Tu n'as plus que le nombre de maximum de cas. Tu n'as bien plus que le nombre maximum de cas. Plus d'énergie vitale. Ok. Recule ça, on va voir ce que t'as fait. Plus un quart. Oh, ok, bon. Ça donne tout. C'est bon, dans le sens, ça donne toute la vie, plus un quart de plus. Puis là, on fait ça. Ça, c'est standard. Extrêmement beaucoup. Laissez-moi. Récupération totale, plus 5 quarts. C'est extrêmement bon. On peut-tu juste en faire que un, qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas ça, ça va donner quelque chose de bon. Ah, récupération totale plus 5 carrés. Juste le faire que ça, c'est le bête là. On a 5 heures de plus. En plus de récupérer toute notre vie. Why not? Bon. Ça c'est. Ah, venu enfin, t'as fait différent en fait. Ah, silence, il faut des flèches explosées. C'est emprunté, j'en ai pas beaucoup alors c'est juste pour cette fois. Le plus qu'être main, c'est le moins que je puisse faire. N'oublie pas non plus qu'il va faire un froid glacial là-haut. Pas t'être terminé, j'espère que tu as un plat chaud ou veux des vêtements pour la fois. C'est prêt. Bon, let's go. Pourquoi veux-tu tellement m'aider à tresser mes dos? Pour Zelda. Zelda. D'ailleurs, justement, le nom de la princesse Rivali qui servait. Surtout. Quoi, tantôt, je ne vois pas très bien cette personne avoir quelle est Valmedo, alors peut-être destinée à m'aider, mais pas la tête en dualité. La belle partenaire. Bien, on dirait que l'heure est venue. Allez, grimpe! Let's go! On y va! Faire un froid glacial. La première discrète eau divine. Ça y est, nous y voilà. Bro, quand je vois ta tête, j'ai l'impression que je vais te transformer en glaçon. Alors, Valmedo est juste là. Mais la barrière qui protège va nous poser quelques problèmes. Eh bien, tu te dis plus rien.
Elle a peur que t'aies loué le bec. Alors, retrouvons le plan ensemble. Tu vois ce canon? Je vais essayer d'attirer l'attention de la créature du vide pour qu'elle me tire dessus. Pendant ce temps, tu vas devoir le détruire à tes flèches explosives. Ça va jusqu'à là? Tu as besoin de t'éloigner un peu de la cible, tu n'auras qu'à sortir ta paravoile. Si tu me restes un moment dans les courants à descendre, je pourrais venir te reprendre sur mon dos. Tu n'auras qu'à le demander. Inutile de perdre ton temps à éviter la barrière de la bête. En tout cas. Quoi qu'il ne la touche surtout pas. Dernière chose, je vais te dire que tu vas dire, je me répète, mais c'est primordial, n'oublie pas de te protéger contre le froid. On y va dès qu'il sera prêt. Allons-y. À toi de jouer. Éliminement de tes canons. Oh, de pas chier à la barrière, là, il est dedans. Oh, la musique. Oh boy. Ouais. Attention à toi. Tom. Valmedo, t'es fait une partie. Voilà, c'était pas tant compliqué. Vraiment pas en fait. Ah bon. Des bruits de bateau. On a réussi! La barrière a disparu! Aïe 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 non. On dirait qu'elle m'a eu avec ses tirs de canon. Désolé, je vais devoir retourner à la zone d'exercice. C'est rien de grave, t'en fais pas pour moi. Occupe-toi plutôt de Vamedo. Vas-y, Link. Tu vas y arriver. Voilà, ça va tout pour cet épisode. En fait, on arrive à un des quatre donjons du jeu. Sur Vamedo. Un des... Je sais pas si c'est le plus dur, là, mais peu importe, là. On va le faire, tant qu'à y être. Et... Je sais pas si je suis préparé en conséquence, mais... Il arrivera, qu'est-ce qui arrivera? Par contre, on va être dans un autre épisode, parce que c'est quand même relativement long, faire ça. Enfin, je vous dis surtout... Merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Épisode sur le vol de Vamedo. Tiens. Bye bye. Mais qui voilà? Je savais que tu viendrais. Je n'en ai jamais douté. Mais tu ne manques pas de culot de m'avoir fait attendre plus de 100 ans.
J'imagine que tu es venu reprendre Omedo à Ganon. Alors va chercher la carte. Tu en auras besoin pour avoir une vue d'ensemble de la créature divine. Voilà la pierre guide dans laquelle sont contenues les informations de la carte. Voyons si tu arrives à l'atteindre.